Fait de pépé, mais n'y a pas de chien, il y a un chien. Il y a un chien.
Tu vas toi boire. Alléluia. Ne habagno, haba vivi. Jésus ne va donner. Michel. Mi akobe mi omi doliau, mamo doliau, amisabe doliau. Monda silencio. Tu as un nouveau va courir loin, à ouvrir mon lit, et pour lui. Et tu as mis pour lui un quasi pétao. Là, nous sommes pour la loi, et là, quoi, mais on est juste bien, voilà, la fille, nous nous baillons pas. Nous, les dates, nous avons un temps, mais qu'on compte. Et moi, on est battu, ni la télé, non, si tu dis, non, il est là. Maman, quoi, qu'elle est là. Il y a un chien, il y a un chatradou. Le chef de l'église au Togo. En fait, le chargé Eric est un fils, un ami, un frère. Mais il est de mon devoir maintenant d'être partout dans toutes les fêtes des moissons. Pour le premier message, c'est que le chrétien céleste doit quand même penser à l'évolution de l'église au Togo. Ce qui nous amène à changer de politique. Au lieu de construire beaucoup de temps, on est rentré dans la construction des écoles. On a démarré à Goué, puis le parc tout près. La rentrée prochaine, ça démarre. Et je dirais quand même que nous apportons notre soutien à toutes les paroisses, sans couleur et sans obédience. Pourquoi ? Pour que l'unité de l'Église se fasse d'une façon spirituelle et sur le plan matériel, ça viendra. Parce que, comme vous le savez, il y a d'autres qui ont leur siège hors du Togo. Mais quand même, les Togolais doivent se retrouver entre eux d'abord et de penser sur le plan mondial. Mais je suis persuadé que ma présence ici aujourd'hui va quand même encore encourager les uns les autres, apporter à chacun cette croyance à l'avancement de l'Église au Togo, la réorganisation de l'Église au Togo et en allant vers l'unité de l'Église au Togo. Parce que comme vous savez, nous sommes au Togo, hein. Personne ne viendra de l'extérieur ou de quelque part pour arranger l'Église au Togo. C'est les fils du Togo qui doivent se battre. Nous ne sommes pas à l'étranger. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis, en France, partout dans l'Europe. Mais nous avons la chance d'être chez nous. Faisons tout pour que l'Église puisse aller de l'avant. Parce que la jeunesse est là. Notre combat, c'est pour la jeunesse. Notre combat, c'est pour l'évolution de l'Église. Et pour que l'État dans lequel nous sommes sache qu'on est sérieux. Que Dieu vous bénisse. Et étant la première autorité de l'Église ici au Togo, vous avez voulu le sort de la paroisse Ira Djaman. Comment est-ce que vous avez trouvé la fête? J'ai trouvé que la fête d'abord est très bien organisée. Et j'ai vu que le chargé, quand même, travaille et a une bonne politique pour l'avancement d'abord de sa paroisse et de l'Église au Togo. Je prie les uns les autres que c'est cette façon-là que nous voulions pour l'évolution de l'Église au Togo. J'ai trouvé que l'ambiance est bon enfant et tout se passe très bien. C'est pourquoi en sortant, je suis accompagné d'abord par le papa d'Eric sur le plan biologique, qui est à ma droite, il est le chef du diocèse du Togo actuellement. Et de deux, un grand ami qui est, il est le chef du diocèse de France. Et il est chargé de la paroisse Lully-la-Grâce, à
La Roissy en Brie, c'est ça. Que Dieu nous assiste. Il est en France. Et par la grâce de Dieu, c'est un signe pour dire, pour parler de l'unité de l'Église. Parce que les hommes, comme nous le connaissons, ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes foies, les mêmes cœurs, la même esprit, les mêmes façons de faire. Mais aujourd'hui, ma présence ici reflète l'ambiance bon enfant pour l'Église. Je crois que tout le monde est content, vous aussi on est content. Merci beaucoup papa. Papa, bientôt 75 ans de l'Église. Oui. Quel mot de souhait? Au fait, je ne voudrais pas trop en parler parce que j'ai peur des fêtes maintenant. Que Dieu nous assiste. Amen. De toute l'Église, parce que l'Église est un peu malade. La jeunesse doit savoir, à 75 ans, ce qui se passe dans l'Église n'est pas bien. Et il faut le reconnaître. Tous ces combats, les gens se retrouvent dans les justices, tout ça, c'était pas bon du tout. Si tu connaissais l'Église dans le temps, bien que tu n'étais pas grand comme maintenant, mais à 75 ans, un homme qui est né, 75 ans, doit avoir une maturité. Mais j'ai foi que ces 75 ans, on va le fêter dans la paix, dans la tranquillité. Et les uns les autres, vous devez savoir quand même que le chef du diocèse, branche nigériane, est déjà passé ici. Par la personne de Papa Banka. C'est ce qu'on vient de me dire. Cette préparatif doit se faire dans la convivialité, dans l'unité, dans l'ensemble. Mais ce qui est dommage, c'est que il y a quand même dans des tendances où il y a des divisions. Là, nous disons qu'il faut qu'on règle ces problèmes avant d'aller à une fête. Que Dieu nous assiste. Et je suis persuadé que d'ici peu, les 75 ans se trouve encore dans quelques jours. Et nous allons le fêter dans la paix, dans la tranquillité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ao, Jésus. Et tu as mis le grand bassin, et tu as mis le grand bassin. Mais bien, oui.